Aujourd'hui, je vous parle de la passion de la couleur. On se base sur les lèvres pour parler de ça, avec un nouveau rouge à lèvres infaillible en deux étapes. Mais avant ça, je vous parle un peu du maquillage des yeux et on va faire une petite retouche sur le teint. Alors, pour les yeux, j'ai pris une couleur déjà sur la paupière mobile qui s'appelle Flashback Silver, c'est dans les infaillibles aussi. Et pour le deuxième, je prends une couleur plus foncée, donc ça peut être un bleu, ça peut être un violet, ça dépend de la couleur des yeux. Regarde en haut. Et là, je vais juste marquer le dessous de l'œil. Donc, je passe mon pinceau plusieurs fois. Je prends un pinceau avec un poil court et un peu raide. Je prends ma couleur. Là, je vais repasser encore jusqu'à ce que j'ai l'intensité voulue. Et ensuite, je prends un autre petit pinceau et je vais estomper juste pour faire un petit dégradé sous l'œil. Donc, même chose, je dégrade jusqu'à ce que j'ai l'intensité voulue. Voilà. Et là, je vais utiliser le Super Liner Mathematique Noir. À l'intérieur de l'œil. Et là, j'en mets, même si ça dépasse un peu sur le dessous des cils, c'est ce que je veux. Comme ça, ça fait un beau dégradé du noir au violet. Maintenant, je vais nettoyer un peu le surplus qui est tombé sous les yeux. Donc pour ça, je prends une éponge et je vais juste frotter un peu comme ça. Et ça enlève l'excès qui est tombé sur le visage. Maintenant, je reprends mon infaillible Pro, nouveau fond de teint. On peut aussi, quand on a un maquillage très fort à faire sur les yeux comme ça, faire les yeux en premier et le teint en deuxième. Donc là, je prends un pinceau avec du poil synthétique à l'extérieur, parce que c'est juste une retouche, donc je ne veux pas donner d'épaisseur. Je veux juste unifier, réétendre un peu le fond de teint que j'avais tout à l'heure. Et là, juste pour aller sous les yeux, je vais utiliser le même genre de pinceau, mais plus petit. Ensuite, les lèvres. Alors là, voici le nouveau rouge à lèvres infaillible de L'Oréal Paris en deux étapes. Première étape, on peut noter que le flacon est transparent, donc on est sûr que la couleur est à la teinte du rouge à lèvres. La brosse, elle est en mousse, c'est vraiment une mousse particulière et super agréable pour appliquer le rouge à lèvres. Première chose, je vais appliquer à l'intérieur et ensuite sur l'extérieur. L'avantage de cette brosse, c'est qu'on peut appliquer dans toute la largeur, comme ça. Et là, pas besoin de crayon parce qu'il suffit de tourner la brosse de ce côté-là, ferme. Et on fait notre démarcation au crayon comme avec le rouge à lèvres. Deuxième étape, les lèvres supérieures. Donc je fais d'abord les deux angles. Ensuite, coin extérieur, je remonte vers le haut, même chose, coin extérieur, là j'augmente un tout petit peu, en fait j'ai commencé par tracer le contour normal des lèvres et ensuite j'augmente un tout petit peu
le volume. Ensuite, j'attends 30 secondes. Et la deuxième étape, c'est tout en un, c'est tout dans le même tube, c'est super pratique. Et en plus, c'est un bel objet, je trouve. Ouvre un peu. Là, je place le baume qui, lui, va hydrater les lèvres. Et voilà, c'est super bon. Alors, j'adore.